Epigram by François Maynard. Read for LibriVox.org by Annie Coleman in honor of Bastille Day, 2006. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille d'autant d'argent que le feu roi en avait mis en la Bastille. Mais les vers ont perdu leur prix, et, pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte, Malherbe en cet âge brutal. Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. End of poem. This recording is in the public domain. Epigram by François Maynard, read for LibriVox.org by Christian Lévesque for Bastille Day 2006. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille, d'autant d'argent que le feu roi avait mis en la Bastille. Mais les vers ont perdu leur prix, et pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte. Malherbe en cet âge brutal. Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. End of poem. This recording is in the public domain. Epigram by François Maynard. Read for LibriVox by David Barnes for Bastille Day 2006. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille d'autant d'argent que le feu roi en avait mis en la Bastille. Mais les vers ont perdu leur prix, et pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte. Malherbe, en cet âge brutal, Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. End of poem. This recording is in the public domain. Epigram by François Maynard. Read for LibriVox.org by Ezwa for Bastille Day 2006. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille d'autant d'argent que le feu roi en avait mis en la Bastille. Mais les vers ont perdu leur prix. Et pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte. Malherbe, en cet âge brutal, Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. End of poem. This recording is in the public domain. Epigram by François Maynard. Read for LibriVox.org by Kristen Hughes. For Bastille Day 2006. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille d'autant d'argent que le feu roi en avait mis en la Bastille. Mais les vers ont perdu le prix, et pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte. Mais l'herbe, en cet âge brutal, Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. End of poem. This recording is in the public domain. Epigram by François Maynard. Read for LibriVox.org by Karen Savage for Bastille Day 2006. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille d'autant d'argent que le feu roi en avait mis en la Bastille. Mais les vers ont perdu leur prix, et pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte. Malherbe en cet âge brutal, Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. Fin du poème.
Épigramme by François Ménard. Read for LibriVox.org by Kim Zuckert. Tales of the Brass Hedgehog. Hedgehog.net. For Bastille Day, 2006. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille, d'autant d'argent que le feu roi en avait mis en la Bastille. Mais les vers ont perdu le prix, et pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte. Malherbe en cet âge brutal, Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. Fin de poème. This recording is in the public domain. Epigram by François Ménard. Read for LibriVox.org on the occasion of Bastille Day, 2006, by Mark Smith of Simpsonville, South Carolina. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille, d'autant d'argent que le feu roi en avait mis en la Bastille. Mais les vœux ont perdu leur prix, et pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte. Malherbe en cet âge brutal, Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. End of poem. This poem is in the public domain. Epigramme by François Ménard. Read for LibriVox.org by Maddie. For Bastille Day, 2006. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille, d'autant d'argent que le feu roi enlevait mis en la Bastille. Mais les vers ont perdu leur prix, et pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte, malherbe en cet âge brutal. Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. End of poem. This recording is in the public domain. Épigramme par François Ménard pour LibriVox.org, relaté par Sean McKinley, ce vendredi 14 juillet 2006 pour la fête nationale. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille d'autant d'argent que le feu roi en avait mis dans la Bastille. Mais les vers ont perdu le prix, et pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte. Malherbe, en cet âge brutal, Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. Fin du poème. Cet enregistrement est dans le domaine public.